Mecha Kelia, né le 6 août 1997 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est un footballeur international congolais, rez-de-chaussée. Il joue au poste d'attaquant dans le club suisse du BSC Young Boys. Mecha Kelia est natif de la commune de Lancélé à Kinshasa. Il commence très tôt à jouer au ballon comme la plupart des jeunes de son quartier avant d'être découvert par Alain Lejeune, président du Centre d'Initiation des Enfants Congolais au Football, CIECF. En 2012, il prend part au tournoi Airtel Jeune Talent où son équipe participe à la phase finale au Kenya. Il joue successivement chez les Anges Verts et au Jogari. En septembre 2014, il rejoint le CS Don Bosco et connaît une progression fulgurante. Encore inconnu du grand public, Mecha Kelia se fait remarquer lors du CHAN Rwanda 2016, dans lequel il devient un élément majeur de sélection et prouve tout son talent. En 2016, il signe au tout-puissant Mazembe pour 5 ans. Il joue son premier match avec le TP Mazembe le 20 février 2016, lors de la Supercoupe de la CAF en remplaçant Roger Assalé à la 67e minute de jeu. Après le CHAN 2016, Meshak est courtisé et décroche même un test en Turquie. Pendant l'été 2016, il fait un test à Bursaspor, l'ancien club de Cédric Bakambu, sans parvenir à un accord. Il a aussi eu des négociations sérieuses avec le FC Porto qui furent non concluantes, et il enchaîne avec le Standard de Liège. Il retourna donc à Mazembe en octobre 2016. En août 2019, l'ailier congolais aurait d'ailleurs dû recevoir une proposition de contrat après 3 semaines de test, mais l'international serait sur le point de poser un lapin au Royal Sporting Club Anderlecht. Selon HET Newsblad, la direction anderlechtoise suppose qu'il est actuellement en Suisse en train de négocier avec les BSC Young Boys de Berne, alors que son agent affirme les contrats signés avec le TP Mazembe sont illégaux et que, par conséquent, le joueur est libre de s'engager avec n'importe quel club. Un dossier qui pourrait se régler devant les tribunaux. Le 18 février 2020, il s'engage avec les Young Boys. Le montant du transfert reste inconnu. Il dispute son premier match officiel avec les Young Boys le 23 février 2020, de la même année, lors de leur déplacement à Saint-Gall. Il est remplaçant à la 83e minute, score final 3-3. Il marque son premier but avec les Young Boys le 27 juin 2020 à la 90e minute contre Neuchâtel Xamax dont il dispute toute la rencontre. Le 1er octobre 2020, il dispute la qualification de l'UEFA Ligue Europa contre le KF Tirana Hook Club Albanais. Les Young Boys rapportent la rencontre sur un score de 3-0. Il marque son premier but en Ligue Europa le 18 février 2021 contre Bayer 04 Leverkusen. Il remporte le match par un score de 4-3. Le 9 juillet 2022, il prolonge son contrat avec BSC Young Boys jusqu'en 2024. Il participe avec la sélection congolaise au championnat d'Afrique des Nations 2016 organisé au Rwanda, compétition lors de laquelle il se fait remarquer par sa vitesse et ses dribbles. Il marque son premier lors de la première journée du championnat contre l'Éthiopie, à la 57e minute de jeu, à la réception d'un centre d'héritier Louvumbu pour une victoire, 2-0. Lors de la deuxième journée contre l'équipe d'Angola, il marque le deuxième but de son équipe à la 18e minute, avant de faire une passe décisive à Merveille Bob pour une victoire 4-2. Il est élu homme du match à l'issue de la rencontre. En finale de la compétition contre le Mali, il ouvre le score sur une déviation de la tête de Jonathan Bolingi. Il marque un deuxième but sur une passe de Yannick Bangala, il dribble le gardien malien Djigui Diarra avant de marquer dans le but vide. Le match se termine sur une nette victoire, 3-0, en faveur des joueurs congolais. Il est une nouvelle fois élu homme du match. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 4 buts et se voit également élu meilleur joueur de la compétition. 3 ans plus tard, il est convoqué pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la première de sa carrière. Les Congolais atteindront les 8e de finale. Le 27 décembre 2023, il est retenu dans la liste des 24 joueurs congolais sélectionnés par Sébastien De Sabre pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2023.